Salut tout le monde, j'espère que vous avez la patate parce que moi je l'ai. Aujourd'hui on se retrouve dans Wild of Town pour ma troisième vidéo, mais cette fois-ci je ne serai pas avec mon tier 2, mais bien sûr avec mon tier 6, mon petit Sherman. Voilà, je l'aime bien. C'est un très 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 bon chat. Mais je sais, j'ai dit trois fois très parce que c'est vraiment un très bon chat. Avec les vidéos avec les tiers 2, j'avais atteint les 3 kills je crois dans les deux. Dans le 7-6, je ferai beaucoup plus de frags. Je ne vous dirai pas le nom, mais ça vous verrez à la fin de partie. Il faut regarder la vidéo entièrement. Mais dans cette petite partie, avant la partie, on va dire ça. Voilà, je vais dire tous mes stats, tout. Voilà, donc je joue avec le canon 105 mm. Voilà. Non, je rigole. Ma tourelle, c'est la toute dernière. Le moteur, je n'ai pas encore cherché. J'ai mis celui-là. Ma suspension, j'ai pas recherché, mais tout ça je rechercherai plus, hein. Je rechercherai maintenant. Le prochain truc que je vais rechercher sur mon char, ce sera bien sûr mon T20, qui est dans 42514 XP, donc c'est pas tout de suite, mais ça peut être dans 2 semaines, je pense, c'est faisable. Voilà, des petits objectifs. Sauf que je n'ai toujours pas assez d'argent parce que ce char est quand même à 1 340 000. C'est pas rien quand même, mais bon, je suis quand même à 660 000. Voilà, tout va bien, je pense que d'ici là j'aurai l'argent. Voilà, vous allez voir toutes mes statistiques. Une bataille participée 768, j'ai eu 44% de victoire. Ouais, c'est pas énorme quand même. J'aurais préféré avoir 50, ça aurait été mieux. J'ai un total de détruits de 410, ça je trouve que c'est plutôt pas mal par rapport au nombre de batailles, parce que je suis pas encore au gros tiers. C'est à partir, je pense, du... Je demanderai à des personnes que je connais bien dans ce jeu. À partir de, je pense qu'ils pourront peut-être le mettre dans les commentaires s'ils regardent sa vidéo. Je pense que c'est 7 ou 8. Je crois que ça commence à vous mettre plus de tués que le nombre de batailles, je pense. Ouais, je pense que ça doit être dans les zones là. Mais sinon, mon maximum de détruits, c'est quand même 7 avec le T50L. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est un artilleur tir. Attendez, je sais plus si c'est tir. Voilà, c'est tier 2, bien sûr. Donc, c'est un. Très bon artilleur je trouve, mais bon, j'ai arrêté la branche des artilleurs parce que voilà, ça m'avait un peu énervé. Je suis pas trop fait pour l'artilleur. Toutes les branches là que j'ai commencé, je les ai arrêtées. Chasseur de chat, je me suis arrêté à T40. Là pour l'instant j'avance au chemin, je vais avancer jusqu'à le patoon et après je reprendrai les branches que j'ai commencé. Sinon, je vous ai pas dit mon XP total qui est de 137 712. Après, je n'ai plus rien à dire, parce que mon XP moyenne par combat n'est pas très énorme, ça c'est avec tous les chars. Regardez, comme celui-là, vous gagnez vraiment rien. Il y a des 47 batailles pour 11 détruits, mais le pire c'était celui-là. J'ai détruit que 3 personnes en 79 batailles. C'est vraiment... Et puis les victoires, voilà, sont pas élevées. Ça, c'est les deux pires chars que j'ai eu. Honnêtement, ils étaient vraiment... Pourri. Et le T40 aussi, j'ai fait 26 batailles pour seulement 3 détruits, c'est pour ça que j'avais arrêté cette branche. Le T57, je suis à 14 batailles pour 15 détruits, 7 maximum, voilà. Donc on va se retrouver dans une partie qui va durer environ 6 minutes, je serai avec mon Sherman. J'espère que cette partie va vous plaire parce que j'y avais pris un réel plaisir d'y jouer. Déjà juste au début, vous allez voir ce qui va se passer, j'étais déjà content d'être là où j'étais. Bon allez, à tout de suite. Et ben nous revoilà dans la partie, ben maintenant, tout de suite... Je vous dis pourquoi j'étais content, c'est parce que je suis le seul top tiers. Donc déjà, vous êtes le seul tier 6, avec un en face aussi bien sûr. Avec plein de tier 4, c'était déjà relativement plus simple qu'avec des tier 7. Parce que voilà, j'ai un canon, le canon que j'ai en ce moment, c'est plus de 400 dégâts sur les moins de tier 5. En fait, il pénètre bien jusqu'à tier 4, tier 5, après c'est un peu de la merde. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai changé, parce que cette partie, vous voyez, date d'une semaine, tout comme l'intro, on peut dire, là où je jouais très tout mes stats et tout, il date d'il y a plus d'une semaine, car j'étais pas là pendant quelques jours, donc je pouvais pas continuer sur cette petite vidéo. Donc déjà, vous pouvez savoir, c'est le mode replay, et en plus c'est ça la carte possible, que mon PC rajoute, parce que c'est pas le meilleur du monde, c'est un peu pourri, on va dire. Puis le mode replay c'est pas top, mais c'est déjà ça, au moins vous voyez, c'est une belle partie. Au début je savais pas quoi faire, si vous me demandez pourquoi je suis en haut. Ah voilà, c'est un peu... Voilà, je rigole, c'est un peu... J'avais pas à voiler. Parce que aussi il y avait une mise à jour, j'avais repris le jeu il y a seulement 2 semaines, et il y avait une mise à jour que j'avais jamais rejoué sur la map là, dans le mode là. Parce que d'habitude on spawn plus dans K5 ou des choses comme ça. Alors je savais pas trop quoi faire. Mais après j'ai vu quelqu'un qui a dit... à l'attaque, je me suis dit allez je suis
tier 4, on va l'aider, on peut opérer du danger, tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous demander des renseignements. Vous allez mettre dans les commentaires, parce que je pense que les gens, les personnes qui regardent cette vidéo connaissent le jeu, ou vont apprendre de ce jeu, donc ça nous aidera aussi. Donc pour ceux qui connaissent bien le T20 qui monte pour Chacha, ça c'est sûr, je suis dans, dans la branche. Il est cuit, passez au suivant. Dans quelle branche, mais je suis dans, les États-Unis. Et mon prochain char c'est T20 et j'aimerais des renseignements dessus pour savoir si c'est un bon char ou pas. Voilà, pour dire si s'il est rapide, mais je sais qu'il est rapide, ça j'ai pas besoin de dire, mais si ses canons et tout sont capables de tuer 4-5 ennemis assez facilement, même des gros. Donc sinon là, si je reviens vite fait au gameplay, j'ai déjà tué un ennemi, c'est un tier 4, je m'en chat 320 points de vie en moins. Je me fais un peu mitrailler là comme vous pouvez voir. Là je suis en je suis pas dans la caméra libre, je suis à la caméra que j'ai posée pendant la partie. Donc c'est pour ça que ça va un peu. Donc je vois que T20 mais à l'aide, donc je vais essayer de l'aider au maximum. Sinon je vais revenir sur le truc dans ma branche. Donc j'ai aussi commencé des branches, là, je joue en ce moment un peu partout. Que je jouais pas avant. Enfin que je jouais très peu, maintenant je suis bientôt tier 4 partie. Je vais avoir le M7 Priest, comme ça. Après je vais avoir aussi j'ai aussi commencé une branche non je l'avais déjà faite, c'était la branche chasseur de char, voilà, mais je l'ai abandonné parce que le tier 4 le chasseur de char de USA est vraiment pourri. Là je vais quand même embarquer parce que je tire sur la SR et lui aussi me tire dessus. Je suis déjà deux fois que vous avez vu que j'ai one shot un M4i et là direct je pense à bien. Je pense à toi donc c'est juste parce que tu es en train d'avancer cette branche. Et aussi quand tu m'avais dit qu'il était bon ce char. Bah voilà pourquoi je suis retrouvé quand je faisais ça. Voilà, pas ça autre chose. Donc voilà, j'aimerais pas que vous mettez absolument dans les commentaires. Sinon là, je reviens tout de suite un peu sur le gameplay, je vais essayer d'attaquer le tier 6 qui est juste un peu plus loin. Je vais mettre un peu ma rembarquée. Allez. Ça va être une petite bataille assez moche. Voilà. Entre le tier 6. Voilà, bon après je sais que demain bon je. Après j'ai le Pershing. Pershing et Patoul, ça s'arrêtera à Patoul sur 9. Ça je sais que c'est des bons chars, ça n'a pas besoin de quoi. Mais c'est juste de renseigner sur tes vagues que je vais à mon avis avoir dans une semaine, je connais deux avec, et en parlant de vidéos sur World of Tank, les prochaines vidéos je mettrai deux gameplays, voire trois. Comme ça, c'est des vidéos qui durent plus de 15 minutes pour les gens qui aiment bien ce jeu. En fait, c'est. Voilà, les gens qui aiment bien ce jeu à me regarder cette vidéo plus ou moins longue parce que cette vidéo dure seulement 10 minutes, environ, un peu plus de 10 minutes, donc ceux qui veulent. Comment dire, regardez des vidéos World of Tank, j'ai des vidéos longues, donc là je suis sur un gameplay faire, donc j'aimerais que vous me donnez tous les renseignements sur les mains, c'est pas trop demandé quand même. On va aussi partager cette vidéo, ça c'est un peu chiant pour les gens qui savent, mais moi c'est juste pour m'aider à me développer, pour faire un peu plus connaître. Sinon pour les gens qui posent des questions sur les vidéos du Call of Duty, pour l'instant je les arrête. Je ne joue plus à Call of Duty, ça m'a aggravé, c'est bon, c'est voilà, c'est Call of Duty. Maintenant je fais des vidéos sur plusieurs jeux, mais World of Tank, tout ça, vous voyez tous les autres jeux que j'ai qui sont tellement excellents, sans point de vue de tout, sans point de vue que Call of Duty. Et puis c'est bien de voir des vidéos qu'on voit pas souvent, parce que World of Tank on en voit, mais je cherche souvent des gameplays à faire et c'est du gameplay, mais c'est pas. Il n'est pas commenté, voilà. J'ai du mal à trouver. Donc là, pour ceux qui m'en cherchent, pas moi tenter. Mais bon, c'est mieux de trouver des vidéos des autres que regarder ses propres vidéos. Voilà. Donc là, là, je suis quand même à 5 kills, ce qui est vraiment pas mal. Donc là, je suis à la recherche du dernier tueur. C'est très important, comme ça on gagne. Et alors, la victoire n'est pas écrasante. Regarde, 14-8, Arthur va mourir, va tuer personne. Ça, c'est un renseignement que je donne, mais je ne sais pas qui va le tuer. Ça peut être moi ou ça peut être quelqu'un d'autre. Déjà, on recherche déjà cet artilleur avant de vous parler de tuer l'artilleur. Sinon, cette vidéo va déjà bientôt finie, donc elle était assez courte. J'espère qu'il y aura le maximum de commentaires sur le renseignement du T20. Je sais qu'il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas énormément de monde qui joue au T20, parce que la plupart des gens jouent KV, IS, tout ça, donc les charges sont beaucoup plus puissantes. Je sais que par rapport à un IS, c'est beaucoup plus fort qu'un KV. Un KV et un IS sont beaucoup plus forts qu'un T20, je pense.
Bon voilà, bah c'est pas moi qui l'ai tué, c'est Viator qui fera un total de 6 kills dans cette partie, moi j'en fais 5. J'aurai 843 d'expérience plus 18 000 crédits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye tout le monde.